plusieurs, vous voyez. Alors, certains députés exercent-ils leur mandat en toute indépendance? Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thierry Soler. Merci, monsieur le président. Attention. Thierry Soler est député de Boulogne-Billancourt. À l'Assemblée, il siège à la commission du développement durable. Elle traite de sujets comme le transport, l'aménagement du territoire ou encore le traitement des déchets. Justement, le député Thierry Soler travaille pour une société de traitement de déchets, Chimireg Développement, pour 12 000 euros par mois. Nous tentons de le joindre au siège de l'entreprise à Duny, en Seine-Saint-Denis. Bonjour madame, pourrais-je parler à Thierry Soler, s'il vous plaît? Thierry Soler? Oui. Il n'y a pas cette personne-là ici, c'est à quel sujet? Je ne suis pas à Chimireg Développement? Oui, vous y êtes. D'accord, donc il n'y a pas de Thierry Soler chez Chimireg Développement? En tout cas, pas sur notre site. Nous appelons alors la directrice de la communication. Monsieur Thierry Soler? Oui. Je ne sais pas du tout. Écoutez, faudrait que je demande, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Elle nous rappelle le lendemain. Ça y est, on a retrouvé Thierry Soler. J'ai contacté notre président qui m'a confirmé effectivement qu'il avait un contrat de travail. Monsieur Soler était son conseiller, mais il n'a pas d'autres informations à donner. En 2013, Thierry Soler signe un amendement visant à exonérer de taxes les véhicules de collecte de déchets industriels dangereux et d'huile usagée. Des déchets industriels dangereux et des huiles usagées, c'est presque mot pour mot ce qu'il y a écrit sur les camions de Chimireg. Le député a accepté de nous répondre dans son bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans un mélange des genres où vous soutenez une loi qui clairement est favorable à l'entreprise? Alors comment nous, citoyens, pouvons être sûrs que... Ouais, bien sûr. Alors, moi je veille. Alors ça, c'est les amendements, ce qu'on appelle les amendements de groupe, qui sont envoyés par tous les membres de la commission. Moi, je veille scrupuleusement, après je suis un être humain comme tout le monde, à éviter des conflits d'intérêts. Vous êtes signé. C'est les amendements que ça a, manifestement, qui sont les amendements automatiques du groupe. Mais vous avez choisi de le signer quand même. Écoutez, je n'ai pas de souvenir du tout de cet amendement. De toute façon, rassurez-vous, les amendements de l'opposition ne passent jamais. Hein, donc, oui, mais c'est quand même un signal. Moi, j'ai. On dirait que c'est entreprise. Vous voyez, c'est vraiment. On dirait que c'est sur mesure pour l'entreprise, cet amendement. Non, usagers et déchets dangereux. Il n'y a pas 50 ans. C'est des amendements de groupe. Pour Thierry Soler, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Mais il reconnaît que garder un pied dans le privé limite sérieusement son activité parlementaire. Mais donnez-moi grâce. Si vous regardez bien, et je suis sûr que vous le faites, sur les services de l'Assemblée nationale, que vous verrez que depuis 3 ans que je suis parlementaire ici, je veille scrupuleusement à jamais ne prendre part à des votes, jamais déposer un amendement, jamais discuter, jamais être dans des groupes d'études, des groupes d'influence sur aucun sujet qui tient à mes activités professionnelles. Résultat, selon le site Nos députés, qui recense l'activité des parlementaires, Thierry Soler est l'un des moins actifs. Sur les 12 derniers mois, il est intervenu 0 fois en commission.